Bonjour, ce court clip est en lien avec les 12 défis pour s'approprier Smart Notebook. Je vous montre comment utiliser la technique du camouflage pour cacher certaines informations de vos pages. Alors, les exemples sont ici. Il y a un exemple avec des images, un autre avec des encres. Je me fais un peu de place pour reproduire à nouveau un exemple qui utilise les images. Alors, ben, j'ai tout d'abord été chercher une image. Dans ce cas-ci, on parlait de la province de l'Ontario. Comme la majorité des contenus qui ont moindrement un lien avec notre programme de formation, en inscrivant des mots relativement généraux là, dans la banque d'images, on arrive facilement à trouver ce qu'on a de besoin. Alors, j'ai la province ici. Je pourrais vouloir cacher son nom. Alors, en utilisant tout simplement le clavier, j'inscris la réponse. Là, j'ai un problème par contre que c'est que ma forme a été placée avant mon mot, alors elle est au-dessous. Je peux facilement résoudre le problème avec un clic droit et en jouant avec l'ordre et mettre la forme au premier plan. C'était un exemple avec des images. Cette fois-ci, avec de l'encre, c'est intéressant cet exemple-ci parce qu'on utilise une couche d'encre blanche pour cacher certaines informations. Et au besoin, on peut révéler ces informations-là avec une efface. Avant de révéler l'information, je vous vends la pertinence à nouveau, là. L'élève pourrait même faire son calcul. Bon, 2 fois 8, 16, 5 et 2. Il pourrait faire son calcul avant d'utiliser l'efface et d'effacer sa propre réponse et de voir ce qui se cachait en dessous. Dans ce cas-ci, j'avais inscrit, moi, la réponse à l'aide même du crayon pour simuler le travail de l'élève. Par contre, j'ai eu quelque chose à faire de spécial parce que j'ai inscrit ma réponse au crayon et parce que je ne voulais pas qu'avec l'efface, ma réponse aussi à moi qui est en dessous, là, je ne voulais pas qu'elle s'efface elle aussi. J'ai eu besoin de verrouiller chacun de mes chiffres pour ne pas, je le répète, là, pour ne pas que ça s'efface. Voyons avec un exemple ici, je ne sais pas, moins 45 fois 2, qu'est-ce que ça peut donner? J'utilise le clavier, puis tiens, je me fais une ligne et j'utilise le clavier encore une fois pour inscrire ma réponse. Je n'ai qu'à cacher ma réponse avec un crayon très, très ordinaire avec une couleur blanche, par contre. Puis si je suis un peu paresseux avec un trait large, eh bien, je n'ai qu'à dessiner par-dessus ma réponse et c'est terminé. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas obligé de verrouiller quoi que ce soit. L'élève pourrait inscrire sa réponse, puis utiliser l'efface pour effacer sa réponse et en même temps ma tache d'encre blanche pour révéler ce qui se trouvait en dessous. On remarque que les caractères inscrits à l'aide du clavier là, ne sont pas effacés par l'efface. C'était donc la technique du camouflage.